Et salut à tous les amis, c'est PFR Foot FR. On se trouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager sur FIFA 20. On va faire le petit entraînement. Belcourt qui est passé à 67. Guérin bientôt à 73. Et je veux voir si ça m'a accompli un objectif. Mais non. Ouais, c'est... C'est 10 points... Enfin, c'est des nouveaux joueurs vers l'objectif du centre de formation. Il a pris plus 10 Belcourt, mais c'est sur la saison en cours. Faut recruter un joueur, paf, et le faire progresser de 10 points. Allez, Paris Saint-Germain. À domicile, la phase retour. Alors, on va juste changer ça que j'ai pas. AT. Boum. Voilà. Sur le banc, on va mettre Soumaré, Saka, on va le sortir et on va mettre Guérin. Et voilà. C'est parti. Salut à tous, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici à Londres. Et pour vous commenter ce Allez, match, je serai on y accompagné, va. comme toujours, de mon fidèle Pierre Ménès. Sur du Paris Saint-Germain, pour garder le but, Keylor Navas. Kalidou Koulibaly sera en tête. Oh, la casette magnifique! L'ouverture du score! Le but d'Alexandre Lacazette. Sorti à peine du round d'observation. Les défenseurs ne sont pas irréprochables sur cette action, mais de toute façon ça aurait été très compliqué de l'empêcher de filer au but. Quel numéro il leur a fait là? Et ce but toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment, il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. Une belle série de passes là de oh, que c'est bien donné ça. Oh, bel arrêt. Le gardien qui repousse. Oh, ouf. Oh, elle passe tout près du cadre cette reprise. Neymar. Koretzka. Oh, et l'égalisation. Il marque et attention maintenant. Grâce à ce but, son équipe n'est plus qu'à un but d'arracher la prolongation. À bon portant, il propulse ce ballon sur la gauche du gardien. Goretzka. Kylian Mbappé. Ouh, la parade de Leno. Ah, la belle précision de Neymar sur ce corner. Frappe contrée. Oh, et la casette. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent qui accélère. Partir en contre. Le centre ah, dommage. Attention.
Alexandre Lacazette. Ah ouais, c'est bien fait ça. Oh, et Pépé ! Ah, la frappe et l'arrêt du gardien. Dele Alli, Kylian Mbappé. Oh, la frappe à côté du cadre. Oh, c'est pas passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Attention à la frappe. Oh, nouvel arrêt de Leno. Passe une contre-attaque. Ah, et Barrella. A progressé, attention. On cherche une solution. Et Félix, 2-1. C'est une contre-attaque absolument modèle qu'on vient de voir. Ouais, elles ont remonté le ballon avec beaucoup de détermination, avec du sang-froid dans la finition, c'est impeccable. C'est encore plus évident quand on revoit les images, on était dans une situation de jeu nettement plus favorable pour l'attaquant que pour le gardien. Il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Sans regarder un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. C'est son deuxième but en UEFA Champions League. Oui, on espère. Oh, l'arrêt de Leno, encore une fois. On la voyait tous au fond. En profondeur. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Oh, Leno, magnifique. Moi, je pense que je la sortais pas. Mais toi, tu es un grand gardien. Tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Dele Alli. Oh, ça frôle le cadre. Grosse occasion encore. Pour pas. Allez, il peut s'enfoncer. Il peut y aller à Dele Alli. Allez. Il va ramener le jeu dans l'axe. Le centre vers ses coéquipiers. Oh, l'égalisation. 2-2. Pour tout te dire, Hervé, je n'y croyais plus trop. Hein. Mais avec ce bon, on n'a pas la victoire sur ce match. Si cette équipe marque encore. Elle se qualifiera grâce à la règle des buts marqués à l'extérieur. Belle rencontre, un score de parité maintenant 2-2. Aucun problème. Hein. Les joueurs qui peuvent souffler. Les voici qualifiés pour la finale grâce à un score. On est qualifiés. Sur l'ensemble des deux matchs. Ouais, ils ont souffert par moment, mais c'est déjà oublié, à mon avis. Allez, on est en finale du UEFA Champions League. Peut-être face à Liverpool. Face à qui, on va voir. Ah non, Atletico ou City. Et là, match face à Watford. City qui est en tête. Point d'avance. Je préférerais que ce soit Liverpool qui gagne. 12 millions. Allez, Watford. Allez, ben c'est parti, on y va. Il reste 3 journées, il faut gagner les 3 matchs. Je sais pas les adversaires, il y a déjà Watford. Il faut gagner face à Watford déjà pour commencer. On est ici à l'Emirates Stadium.
avec à n'en pas douter un beau match qui nous attend. Aïe. Place au soir de la dernière journée. Ça, c'est vrai. Pépé et le but de Pépé. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Un but qui est bon à prendre, mais qui ne change pas grand-chose mathématiquement, voire rien du tout même. Ouais, on peut pas dire qu'ils aient fait un grand pas vers l'UEFA Champions League, mais bon, dans les têtes, ça doit faire du bien. Cinquième but. Arsenal qui peut poursuivre son offensive. Allez, Crépin Diatta. Attention, ça peut faire but. Oh, et le but de Diatta. Il y a 2-0. Arsenal qui creuse l'écart dans ce match. Deux buts d'avance désormais pour les Gunners. Avec ce but, les joueurs sont peut-être en train de montrer que tout n'était pas perdu. Ah, ils peuvent encore espérer se qualifier pour l'UEFA Champions League, mais enfin, il reste encore du chemin. Hein. Ça fait donc deux buts. Voilà, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. On cherche la faille dans la défense adverse. Oh, dommage. Le gardien. Eh oui. En deux temps, Félix qui marque. Ouais, c'est un modèle du genre, vraiment. De la vitesse, du sang-froid. Bravo, les gars. Ouais, le gardien qui ne peut rien sur le deuxième ballon. C'était une première fois à la parade, mais il n'y a rien pu capter ensuite. Que sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. 13e but. Arsenal va changer un joueur, Pierre. Hervé, on va voir si ce changement modifie le cours du match. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette Niles. Enfin, c'est moi. Ah. Ouais, c'est mérité, ils n'ont pas arrêté de faire pression sur le porteur. Et au final, ça leur a permis de récupérer un excellent ballon. On observe quand même un petit relâchement coupable là de la part de la défense, ce qui ne nous empêche pas d'apprécier cette chevauchée solitaire. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1. Nicolò Barella. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Ouais, bien taclé, le ballon. Et la victoire 3-1 d'Arsenal. L'arbitre qui siffle à l'instant même la fin de ce match. Ils ont beaucoup couru après le ballon, mais finalement ils se sont imposés. Match plutôt bon hein, dans l'ensemble pour lui. Eh oui. Prochain match face à Man City, ça va être costaud. Ah, chiffre enfin vendu. Allez, Man City. Allez, on y va. On y va.
On peut vraiment se dire que c'est un choc auquel on va assister aujourd'hui, incontestablement. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une fois encore depuis l'Emirates Stadium avec bien sûr avec vous Hervé Matou et Pierre Ménès aux commentaires. Spectacle en perspective aujourd'hui avec cette rencontre de première ligue anglaise, Arsenal contre Manchester City. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, et Greenwood, magnifique! Elle est fulgurante et elle se termine par un but. T'as vu? Greenwood qui marque. Ils ont comprendre ce qui se passait. Ils ont remonté le terrain à toute vitesse. Quand c'est joué comme ça, ça pardonne pas. Ah, c'est net, Pierre. On le revoit. Ils font la différence sur une passe. Hein. Une passe millimétrée. Le buteur est dans des conditions parfaites. Il n'y a plus qu'à battre le gardien. Content l'entraîneur et ça peut se comprendre, ce but encaissé l'oblige un peu à revoir ses plans. Et c'est Arsenal qui passe devant. De Bruyne. Agüero. Non. Oh, ça va être dedans. Il est rentré quoi là, il y a quelques minutes. Et c'est un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Un deuxième ballon fatal au gardien. Ah, quel dommage. Poursuivre l'action et faire au bon endroit, au bon moment. Paquet d'occasions de part et d'autre. Allez, oui. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Oh là là, l'occasion. Oh, le but. Oh, le but qui donne. Bien joué, Paqueta. Et on va guetter la réaction de l'autre équipe. Deux buts à un. Il reste un peu de temps quand même. Qui vont apprendre, mais qui ne changent pas grand chose mathématiquement, voire rien du tout même. Ouais, on peut pas dire qu'ils aient fait un grand pas vers l'UEFA Champions League. Ouais, mais au moins on reste quatrième. On a un peu de frustration là chez l'entraîneur, mais il faut tout de suite qu'il encourage ses joueurs. Il faut essayer d'égaliser maintenant. Lointain. Oh, eh oui, la victoire. Un petit peu triste pour cette équipe, Pierre, qui pouvait se qualifier pour UEFA Champions League. Ouais, mais c'est raté, et puis les concurrents ne se laissent pas faire, c'est normal. Victoire 2 buts à 1. Un grand Restos encore. Voilà, si on perd face à Tottenham, eh bien on est cinquième, tout simplement. Eh bien les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde. On every side, bye.